Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, chers amis. Donc, comme d'habitude, vous savez qu'on part vers le sud-ouest dans ce deuxième épisode post-histoire et pas post-apocalyptique. Et donc, chers amis, nous allons toujours avancer en espérant tomber sur le moins de bestioles possible. Mais ça semble être une mauvaise idée d'y penser ou encore de l'espérer. Meurs charogne, meurs charogne. Donc apparemment nous arriverions au point en question. Oh, il y a le Yeogwai là-bas. Oh là là. Oh là là. Je l'ai niqué, littéralement. Bonjour. J'ai dit bonjour. On va aller voir Ronald. Ronald, tu es où? Donc il est encore en vie parce que tout ce qui est là, je peux le voler et pas le prendre. Donc faut que je trouve Ronald. Ronald? Pas de Ronald dans le coin. Progressons, progressons, progressons. Rat scorpion. Hop. Tiens, c'est marrant ça. On va aller jeter un oeil là-dedans. Ça ressemble clairement à un traquenard cependant. Hein. Hop, au cas où. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas genre une grotte en plein milieu, non? Ah non. Bon bah non, bah on retourne vers notre objectif, chers amis, écoutez. Hein. Alors. Les terres désolées de la capitale, chers amis. Ah, mais ça me fait penser qu'on n'a pas encore goûté à la fameuse flotte. J'ai pris un stock complet de fameuse flotte. Et je n'y ai pas encore goûté. Juste pour le plaisir. Oh, ça fait du bien. Ça me rappelle l'eau de mon... Ah mince, de mon abri. Suis-je le seul à imaginer que ça... un râteau. Putain, je trouve que c'était un peu plus gros. Vous voyez pas comment une espèce de forme là-bas, juste entre mes deux petits points. Bizarre. Problème des râteaux, c'est que quand il y en a un, sûrement il y en a plusieurs à côté. Ah bah c'était troule toujours d'ailleurs. Un cérébrobot. Apparemment il s'attaque à quelque chose, à un autre bot. Hop, ah je l'ai pas tué, dommage. Voilà. Et là apparemment il y a deux bestioles, trois bestioles. Dommage, désolé. Oh, il a survécu. Pas cette fois. Hé, le chien! J'ai tué tes frères. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. Tout ça se passe plutôt bien, chers amis. Alors, c'est par où?
Putain, ma plus grande peur dans le Fallout 3 à la fin du jeu, c'était de rencontrer des commandés. Des écorcheurs. Et j'en ai pas encore. Non, il a tué un. Un chasseur. Ah putain, je crois que c'est un PNJ bah, utile quoi. Le pauvre. Bon, par contre, je vais le prendre ta viande. Et on va sûrement réparer des choses, je pense. Ou en virer d'autres. Je sais pas encore. Alors. Fusil d'assaut chinois avec deux fusils d'assaut. Parce que je peux en réparer un. Voilà. Déjà ça de près. Fusil laser, fusil laser, fusil plasma. Ah, fusil plasma, je peux pas réparer. La fin du contrebandier. Il est vraiment bien ce pistolet. Voilà, toutes les mines, je les vire. Zéro utilité. Oh putain, j'ai eu peur quand j'ai vu l'espèce de zone rouge à la con là. What? Yo, guy. Hop les, plus d'yaogai. Wow! Salut les mecs! Putain, ils sont blindés ceux-là, c'est vrai. Et deux, un. Et de deux. C'est du sport, hein. Oh, j'ai hâte de jouer aux 4, chers amis. Si vous saviez. Le problème, c'est qu'il y a tant de nouveautés que j'ai vraiment peur de me lancer dans une vidéo information. Parce que je sais que si jamais j'en loupe, je vais pas. Je vais me faire saquer. Ah, la gueule. Passer par là en sautillant un petit peu. Alors, bon, boum, 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 boum. Oula, oula. En plus, ils sont bien armés ceux-là. Donc, c'est toujours l'enclave, on est d'accord. Confrérie de l'acier, d'accord. Non, c'est des alliés. Bon, cool. Alors, hello guys. Putain. Attention. Oui, merci de me le dire. Putain, je l'ai pas vu venir celui-là. Bon, tunnel routier de Rockland. Pourquoi pas. Allons-y. Meurs pas sur la route, hein. Ne me fais pas ça, Billy. Ça c'est intéressant. Caisse de munitions, hop. Caisse de munitions, hop. Une grosse masse. Caisse de munitions. Caisse de munitions. Ah zut, le Steel Boys de la mort. Voilà. Coca-Cola, mais oui, mais j'ai. Vous êtes vilain. Vous êtes vilain. Alors. C'est des gentils? C'est des gentils. T'as une super tourelle. Alors, t'es qui, toi? Ah, bien, Tristan. Bien. Oh putain. Regardez qui est de retour chez les vilains. Certains d'entre nous commençaient à se demander si Sarah et vous alliez vous en sortir. Je le sens pas. Alors c'est vous qui commandez, hein, maintenant. Je m'occupe de la troupe jusqu'à ce que Sarah soit de nouveau sur pied.
Ce n'est que temporaire. D'accord. Mais pour l'instant, oui. C'est moi qui donne les ordres. Qu'est-ce que je dois faire ? Gardez la tête froide. Pas question de jouer les héros, d'accord ? Liberty Prime a été appelé pour appuyer l'assaut initial. Dès qu'on aura un bon point de départ, on réévaluera la situation. Allez, ça devrait avoir commencé à bouger. Oui, monsieur, bien, monsieur. Depuis une semaine, c'est plutôt la routine. On trouve du rance sur leur position, et on y va, et on les crame. Bon bah allons-y alors. Écoute. Pour être honnête, c'est la boîte de conserve qui fait le plus gros du travail. Je ne comprends pas. Alors, station relais, pardon. Ah, un instant, chers amis. Waouh, on vient relever mon compteur électrique. Oh putain. Oh alors, Liberty Prime, tu es où? Ouh. Oh putain, il a sauté carrément lui. What? Il les a désactivés. Ah ouais. Wouhou. What? Ok, c'est cool. Comme on dit, il met les bouchées doubles, hein. Heureusement, j'ai de l'eau à foison. Hop. On va plutôt rester en bas, je pense. Ça vaudra mieux. Une armure Tesla, on prend. Hop, on répare la nôtre. Pas besoin du casque, pas besoin du casque alors. Oh la vache, il bourrine, hein. Évaluation de la menace communiste. Aïe, aïe. Waouh. Parfait. What? Putain, mais il bourrine de... Annihilation de la menace chinoise. Putain. Boum, deuxième couche. Emploi de la force létale. Illusion satanique détectée? Oula. What? Oh putain! C'est glauque! Je meurs afin que vive la démocratie! Est-ce que je peux récupérer quelque chose, genre son bras ou un truc comme ça? T'as perdu la tête, mon pote. Non! Il a des super phrases, hein. Il faut qu'on découvre ce qui vient de se passer. Oui, c'est vrai que j'ai rien vu non plus. Ce n'est pas le moment de discuter. Qu'est-ce que je dois trouver ? N'en sais rien, moi. D'accord. À l'assaut ! Tous avec moi ! Comment ça, je suis tout seul ? Putain, je suis tout seul. Comment envoyer un mec pour sauver son peuple face à son équipe ? Je trouve ça complètement pute, si vous voulez savoir.
Fusil plasma. Hop. Allons-y, vers le site satellite. À mort, les Chinois! Déployez-vous et contournez-les! Merde, j'ai attaqué un paladin de la confrérie. Brûlez-les! Brûlez-les tous! Ouh! Cool! Allons-y! Putain, je suis tout seul! Je dis ça, mais je suis tout seul! Non! Tu vas accepter de mourir? Accepte ta fin! Ta mort était inéluctable. C'est quoi ça? Ça a l'air sympa tout ça. Ah non, je peux pas y passer. Bon bah tant pis. Envoyez la sauce! Il est trop loin. Subissez mon courroux! Subissez mon courroux! Putain, j'en ai pris plein la gueule, chers amis. Soyons honnêtes, c'était violent. Seul souci, c'est que mon fameux la fin du contrebandier commence à en prendre plein la gueule. Hop les. Allez, bouge. Bien joué. Mais c'est quoi cette salle? C'est la salle à café, la salle du café, putain. La cafétéria. Oh mon dieu, un level up. Bon, alors je sais dans quoi je vais les mettre. Ok. Ensuite. Pour votre plus grand plaisir, chers amis, nous allons les mettre en armes légères ou en discrétion. Armes légères. Voilà. Et donc, nous avons accès en bas à quoi? Explorateur, étant chimie, zonation, coup super critique. Expert en robotique. Non. D'accord, c'est intéressant ça. Alors. Eh ben on va prendre. Je sais pas. Homme d'action. Allez, c'est pas grave. Crac. Ouvrez la porte. Allons-y. Progressons. Repli et regroupement.
trace de cible perdue. Scientifique de l'enclave, tu es morte. Ok. À ton tour maintenant. Ah ! Il lui reste rien. Une salle de serveur, intéressant. Contact confirmé. Voilà. Salut les mecs. Oh, t'as de la chance, t'as survécu. Un de plus pour la confrérie. Hop. Bon, par contre, on va aller voir leurs armures parce que je pense que j'aurai besoin d'une armure Tesla rapidement. Soyons honnêtes. Vu tout ce que je me prends dans la gueule. Bim. Et rebim. Alors. Ensuite. On retourne dans le menu. On va aller se soigner un petit coup parce qu'on est en train de crever sur place. Alors, viande de fangeux. Viande de rataupe. Un steam pack et deux Nuka-Cola. Parfait, ça me semble bon. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Oh putain. On y a une vraie grenouille de bénitier. Alors, fusil laser, je préférerais avoir un pistolet laser si ça vous intéresse pas. Ce serait possible? Ça mettrait de réparer justement ce pistolet laser de la mort qui tue. Mais bon, pourquoi pas? No means no. Oh putain! Visez les jambes! Paralysez-les à vie! Voilà! Et le 1! Progressons! Caisse de munitions. Ah, c'est cool ça. Vous savez quoi, on va passer à autre chose. Ah. Salut mec. Oh, je lui ai pété le casque littéralement. Ok. Désolé. Ok. Ok. Ça s'est plutôt bien passé. Y avait-il des armures Tesla dans le coin? Oui. Je vais en prendre une au cas où. Pistolet à plasma, ça ne m'intéresse pas. Ce serait plus un pistolet laser qui m'intéresserait. Ok. Et elle est réparée à 100%, chers amis, c'est cool. Bon. Alors, ici on a. Hop. On n'a pas aussi le All Painless, ou un truc comme ça. Le voilà. Oh putain, j'ai pas beaucoup de munitions dedans. On va reprendre ça alors, c'est pas grave. Hello, guys! Oh putain, encore du tunnel.
Ah ah, une porte. On l'ouvre. Alors, wow, bonjour madame. Immobilité de la cible, c'est une tourelle. Alors, hello. What? Pas par là que je voulais aller, à mon avis. Ok. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se... Ah d'accord, c'est là donc. Eh bien écoutez chers amis, on fera ça dans le prochain épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pourrez trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode. Si vous souhaitez participer donc à une session de tournage, je vous invite... je confonds plein de choses. Alors si vous souhaitez participer à une session de tournage, par exemple d'un Robocraft ou d'autre chose, n'hésitez pas à postuler dans le groupe Steam, donc directement dans le sous-forum candidature. Si vous souhaitez aussi donc cliquer dans les liens de mon partenaire GameSmith.com qui m'a gracieusement offert le jeu Mad Max, ce serait sympathique, surtout qu'ils font des réductions assez notables donc sur certains jeux. Donc voilà les amis, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop.